Et coucou les amis, c'est Arv, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, merci. On se retrouve aujourd'hui pour le J-24 ou J-23, je sais pas. C'est soit 24, soit 23. Je suis déjà un peu plus sûr que les précédemment fois. Que les fois précédentes. C'est plus français, merci. Donc oui, j'espère que vous allez bien. On va partir tout de suite faire un gâté à Snow. Il me croque la tête. Bébé, Snow va bien, tout va bien. Notre pont, regardez comment il est cool, notre pont. Finalement, regardez, on a rajouté des tapis parce que la neige fondait quand même avec les torches. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai galéré. J'ai enfin commencé à faire le plafond, à faire tous les murs et compagnie. Ça commence à venir. Par contre, j'ai repérer un petit fail, c'est que ici ça a l'air d'être correct ou c'est l'inverse, et ici en fait là dans cette rangée là il y a une rangée de oulala, ma voix, écoutez ma voix, pardon, ici il y a une sorte de rangée en trop. Alors ça je sais pas pourquoi, mais je vais la laisser comme ça pour l'instant, et on verra une fois qu'on aura fait le sapin si ça choque ou si ça choque pas, quoi. Voilà. Alors, ce matin, j'ai un chat dans la gorge, je suis désolé. Donc aujourd'hui, on va faire la chambre des lutins. Enfin, on va commencer parce que je ne vais pas avoir le temps terminé. Et j'ai pensé à un truc sympa, c'est que regardez, quand on voit comme ça notre truc, on dirait que leur chambre, mes lutins, se retrouve dans les nuages. Oh oui. Et je me suis dit que... je suis désolé, ma gorge est en train de m'enfollow là. Je me dis qu'ici, tout le mur, on pourrait le faire en violet comme ça. Pour rappeler que bah voilà, eux ils sont dans les nuages et tout ça, nanani, nanana, super génial, on adore. Voilà. Et je crois que je n'ai plus de... Oh, c'est une catastrophe. Il me reste plus trop de blue hardened clay. Exactement. Bon, on va monter, ça fait longtemps qu'on n'est pas monté tout en haut. En tout cas, je suis très content que bah, notre calendrier de l'avant vous plaise toujours, ou vous plaît toujours. On a encore une vingtaine de jours à tenir ensemble. Oui, plus de 20 même. Donc voilà, ouais, ça va être sympa, ça va être cool. Ah, il fait pas beau dehors, hein. Ah, c'est très nuageux actuellement. Bon, c'est tant mieux, ça fait penser à l'hiver un peu. Parce que s'il fait grand soleil, moyen quoi. Moyen. Donc, je vais vite fait prendre un peu de hardened clay. Normalement, Kazak, la dernière fois, il m'a laissé un peu de... Un peu de quoi? Il m'a laissé un peu de... Oh là là, l'Alzheimer commence à m'envahir chaud, quoi. Il m'a laissé un peu de... Le truc bleu, là. Dites-moi le... Du lapis lazuli. Voilà. Merci. Oh. Donc ça devrait suffire. Je vais descendre en bas et j'ai un pattern plutôt sympathique pour faire... Attendez, au cas où je retourne, parce que je vais prendre la laine pour faire mes lits. Et vous allez adorer le pattern de mes lits, quoi. Moi, personnellement, j'adore. J'aime beaucoup. Hop, je vais prendre les trucs que j'ai de trop, en fait, voilà. Parce que je veux pas trop m'en servir de ma laine blanche. Au cas où si ça serve... Pour cacher les glowstones là au sol. Mais bon. Ouais, donc du coup, j'espère que ça va vous plaire, hein, mon petit pattern de délit de lutin là. Je me suis donné à fond. Vraiment. Non, je plaisante, c'est un truc tout con. Ah, vous pouvez la reproduire chez vous si vous le souhaitez. D'ailleurs, il y a un petit abonné, même plusieurs, hein, j'en ai vu passer sur Twitter, qui m'ont mentionné sur leur construction de gratte-ciel. Et ça rendait super bien. Il y en a une, elle a fait exactement la même que moi. Et il y a un autre jeune homme qui avait fait des tests, qui avait modifié, qui avait relié deux bâtiments. Enfin, ça rendait super bien. Donc, voilà, j'arrête de parler parce que je trouve que je parle un peu beaucoup ce matin. Bon, du coup, pour vous, c'est le soir, bien sûr. Où est-ce qu'il a mis... Ah. Merci, Kazak. Je ne sais pas combien je pourrais en faire avec. Mais... Non, ça, c'est la laine. On va essayer d'en faire un maximum. Hop. Hey, d'ailleurs, une autre chose. Il y a un abonné, il m'a dit aussi que je ne peux pas nourrir Snow pour le moment. Mais je peux lui donner des potions de régène. Pour qu'il gagne sa vie si jamais il en a perdu. Donc, je ferai ça. Je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir donné cette astuce. C'est adorable de ta part.
Ah, j'avais déjà de la hard donut clay ici, mais. Bien fait, bien fait. Ça m'apprendra la prochaine fois à regarder avant de bouger mon boule partout. Toc. Hop, hop, hop. En tout cas, j'espère que les épisodes avec Saradine, avec Kazakh et compagnie, avec tous les amis, vous ont plu. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Du coup, le sol, je l'avais dit en neige. Je le fais en neige, le sol, ou pas? Je la fais en neige, hein. Comme ça fait genre ici, tac, 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 et tout le reste est en neige. I don't know, bitch. Comment je fais le sol? Bon, déjà, on va péter tout ça. Ah, mon Dieu. C'est un peu une catastrophe, hein, au sol et tout. Ou alors on fait tout, tout. Ah, oh, mon. Oh on the beach, are you fucking crazy, Kai? Kai. Du coup, ouais, Ah, je sais pas, j'hésite là. Je suis en train de casser en même temps réfléchir, tu vois, en mode. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Ok, j'ai posé de la neige, alors je voulais poser le bloc à côté. J'en ai aucune idée. Ah non, mais c'est une catastrophe. Ah là 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 là, c'est une catastrophe. Hop, j'hésite beaucoup. Soit je fais tout complètement avec la hard donut clay. Voilà. Soit je fais un délire le sol en neige. Je vais faire le sol en neige. Comme ça sera moins interne et tout ça. Et puis ça fait genre dans les nuages et tout. Nanani nanana. On adore, on aime beaucoup. Voilà. On va faire ça. Ça va être très joli. Hop, 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 il faut juste que je bouge tout ça en même temps. C'est pas facile de creuser un trou énorme comme ça et de tomber. Surtout, je vous raconte même pas parce que quand j'étais en train de creuser, vu que je suis pas très très loin du spawn, au début tout le monde était venu ici pour faire leur minage au petit. Alors je vous raconte même pas quand j'ai tombé sur des galeries, j'étais en mode. Sérieusement, comment je vais faire? J'ai un peu les boules. Mais c'est pas grave, j'ai réussi, je suis arrivé. Punaise, mais ma gorge, vraiment, elle est en train de me dire. Stop, quoi. Mais bon, j'étais en forme ce matin. Que voulez-vous? Sinon, ce qui concerne les lits, je ne sais pas du tout, du tout, du tout, du tout combien je vais en faire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ferai autant de lits qu'il y ait autant de participants à mon projet. Après, si j'en fais plus, c'est un plus. Si j'en fais moins, c'est moins. Tout simplement. Voilà, Armand, merci beaucoup pour tes explications. Toujours très utile. Alors, ici, par contre, ça serait sympa de mettre ça. Ouh, désolé, 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 désolé. Hop. Voilà. C'était pas vous le message, c'était moi. Sorry. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais reboucher tout ça. C'est vrai. Comme ceci. Hop. Et à partir de là, je peux commencer à mettre de la neige de partout. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, on verra encore comment ça rend. Peut-être qu'il y aura des retouches et tout ça. De toute façon, il y a toujours des retouches avec moi. Faut le savoir. Qu'est-ce que j'entends là? Ah, d'accord, ok. C'est. It's nothing. Hop. Parce que j'ai une autre Minecraft ouvert juste à côté. Pour que je puisse me rappeler de mon lit là que j'avais fait de mon côté en créatif. Histoire de faire les choses bien, quoi. Et faut savoir que dans cet épisode, je voulais juste vous montrer le pattern et tout ça. Et pour les autres lits, je pense de les faire avec des invités, comme ça sera plus sympa, on passera du bon temps à construire un lit tel des gars qui travaillent chez Ikea. Voilà. Par contre, je sens que dans pas longtemps, je vais devoir repartir dans le village des lutins chercher de la neige. Il y a une chose qui m'a surpris, c'est que j'étais pas le seul à prendre la neige, je suis parti là-bas. Parce que moi, habituellement, quand je pars chercher genre de la neige ou l'art de notre clé, je pars très loin, tu vois, du centre pour ne pas gâcher les constructions. Et c'était genre, on dirait qu'on avait lancé une bombe là-bas, quoi. C'était catastrophique.
Du coup, il faut faire pareil les murs. Hop, déjà je vais faire juste ici. Donc forcément, cette fois-ci, il n'y aura pas de relief vu qu'on est directement dans les nuages. Hop, mais après, les reliefs sera bah, directement les lits et tout ça. Et nanani, nanana. Hop, pareil, ce côté-là. Mais en tout cas, je fais des trucs comme ça avec vous parce que ça me motive de faire ça avec vous. Vous voyez? Genre, ça me ferait trop... Je veux pas dire le mot, ça me ferait trop chier de faire ça tout seul. Alors qu'avec vous, vous voyez, on parle et tout. Je trouve ça plus sympa que de faire des trucs comme ça tout seul. Voilà. Ok. Hop, je vais faire juste ce mur-là ici. Comme ça, après, bah, le reste, bah, ça va être exactement pareil. J'ai hâte de vous montrer en tout cas ce que j'ai en tête. Et j'espère franchement que ça vous plaira, quoi. Hop, 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 hop. Nickel. Alors, ça, c'est notre mur. Bon, faut voir qu'il y aura aussi de la glowstone de temps en temps. Je vais juste éclairer grossièrement. Alors, du coup, il va me falloir. Attendez. Ça, déjà, on fait ça. Ça. Hop. Il va me falloir des feuilles, des lits, des échelles et des. Et du bois de. Machin. Du coup, ça, j'en ai besoin. Après, il me faut des feuilles. Normalement, les feuilles, moi, vous savez, j'en ai toujours. Voilà. Il me faudra aussi ça pour que je puisse faire des lits. Ici. Par contre, attendez, où est-ce que j'ai foutu mes laines là? Ah, je vais faire avec du gris. Table de craft, j'ai dit, voilà. Je vais faire 1, 2. Tac. 1, 2. Ok. Oh, vivement qu'ils changent la couleur du coussin, non? Ça, je ne comprends pas. Ils attendent quoi pour nous faire ça? Ça doit leur prendre rien du tout pour nous changer la couleur des coussins comparé. Non, mais pas la couleur des coussins, la couleur de la couverture du lit là. Ah! Hello? Je sais pas du tout bien éclairé. Ah! Bitch! Dez. Hop, 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 hop. Voilà. On devrait pas avoir de mauvaises surprises maintenant. Du coup, pour le lit, regardez ce que je vais faire. Et vous allez me dire si on aime ou on n'aime pas. 1, 2, 3, 4. Du coup, ça aura 4 de hauteur. 1, 2, 3. Ok, je suis pas assez grand. 4. Je pense que le plafond, je creuserai encore un de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je creuserai ça un de plus, comme ça. Bah, comme ça sera. Ça sera plus joli parce que là, je trouve que c'est beaucoup trop près du plafond. Mais après, en vrai, les trucs sont comme ça, je sais. Mais si on peut embellir les choses un minimum, ça pourrait être sympa. J'ai pas pris mes tapis. Ah. Ah non, ça c'est de la neige. Je veux pas de la neige parce que à tous les coups ça va encore fondre. Normalement, je dois avoir des. Yos, 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 yos. Alors. Bienvenue, bienvenue. Du coup, on place ça comme ça. Merci beaucoup. Maintenant, ce qu'on fait, les amis, regardez. Vous prenez votre lit. Vous en mettez un. Voilà, un comme ça. Ce qu'on fait après, c'est que je prends ça, je fais tac, 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 tac. Un dernier tac et c'est tout. Tac, voilà. Hop, on casse ça. Et nous avons déjà des lits superposés. Après, ah, oh, j'en étais sûr, j'avais oublié un truc, tu vois, je l'avais dit. Mais c'est pas grave, je vais. Ok, achievement get, thank you. J'ai pas fait mes échelles, mais je vais les faire maintenant, c'est pas bien grave. Hop, voilà. Tac, tac. 1, 1, 2, 3. Comme ceci, on pose les échelles.
Destin tout était reset. Ouais. C'est pas grave les stats, moi c'est pas trop mon kiff quoi, c'est pas grave s'ils sont désactivés. Ou reset. Du coup, hop, je vais vous vite 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 casser ce petit coin aussi. Hop. Comme ça, une fois que j'aurai posé les feuilles, bah on verra un résultat plus ou moins rapprochant de ce que j'aimerais obtenir. Non, ça c'est trop haut. Voilà. Ce côté-là, malheureusement, je ne peux pas en faire trop parce que bah il y a notre entrée. Mais ça fait un coin très très cocooning. Normalement, attendez, je vais inventer un délire. On va adorer. Il me faut torche G, il me faut item frame, il me faut glowstone et trap. Glowstone c'est fait, trap c'est fait, torche G, item frame. Ils sont. Mes coffres, c'est. Ouais, les abonnés, venez, s'il vous plaît. Aidez-moi à ranger mes coffres. C'est une catastrophe, j'en ai un peu plus. J'arrive plus à m'en débarrasser de mes coffres. Hop. Du coup, ça va là. Avec une petite torche. Histoire d'éclairer tout ça. Et si je pose ça comme ça et que je pose. Oh oui! Ça fait en plus une sorte de. Aya! Je savais pas que je pourrais faire ça, regardez. Mais après la glowstone, est-ce que c'est trop visible? Oh oui. C'est pour ça ce que je vais faire. De toute façon, c'est déjà bien éclairé. Je vais casser la glowstone plutôt. Je vais mettre mon hardened clay. Et ici, je vais directement mettre ça. Comme ça fera une sorte de socle qui tient le lit. Et après, pour les éclairages, bah, je pourrais en faire deux par là, par exemple. Genre, comme. Ah! Tac. Voilà. Regardez, nous avons nos lits superposés. Je vais prendre un petit screen pour ma vignette. Voilà. Et imaginez si on en fait plein comme ça. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, limite 11, 12 et 13, 14. 14, 14 lits. Après, rien ne nous empêche d'agrandir un endroit ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi le résultat m'a beaucoup plu quand j'avais fait les tests en solo. J'espère que vous aussi ça vous plaît. Et puis j'essaierai de choper un invité qui serait chaud de venir m'aider à construire plusieurs lits. Et de mon côté, je m'occuperai à faire le plafond et les murs. En tout cas, le sol en neige comme ça totalement, moi je trouve que ça rend hyper bien. Ça fait un côté nuage et tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ici, à la limite. Et je fais ça. Ouais, c'est bien. C'est bien. Bon, les amis, on va s'arrêter ici. Je vous remercie encore d'avoir regardé cet épisode. Bah, on s'est tenu compagnie encore un jour. Écoutez, c'est très bien. On se donne rendez-vous demain. En tout cas, si ça vous plaît toujours, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Ça me fait toujours plaisir. Je vous ai pas parlé de cette histoire de notification. Et c'est peut-être con d'en parler de ça à la fin de ma vidéo. Mais vous savez que YouTube y merde en ce moment et tout ça, si vous voulez activer les notifications ou quoi, n'hésitez pas pour être alerté par mes sorties de vidéos. Mais en tout cas, j'essaie de les partager au maximum sur Twitter. J'avais arrêté de faire ça. Mais bon, j'espère que demain on se retrouvera avec un invité. Mais bon, moi ça me fait du bien de me retrouver seul avec vous, posé comme ça, parce que dans les deux derniers épisodes, on était directement avec des invités. Mais bref, je vous fais de gros bisous. Et puis nous on se retrouve demain pour la suite. Prenez soin de vous et à demain. Bye bye, des bisous.